Mesdames et messieurs, faites un cliquetis de tonnerre d'applaudissements pour Yael, s'il vous plaît. Ah là là, bienvenue, bienvenue dans ce canap. Merci beaucoup. Ça fait 20 ans. 20 ans, jour pour jour, aujourd'hui, que je veux t'inviter, vraiment. Je veux t'inviter depuis, je pense que je voulais déjà t'inviter, je mettais encore mon pantalon dans mes bottes. Ah oui, tu moi j'ai fait ça aussi beaucoup. Ah, on se souvient. On sait qu'on a fait ça. Un petit peu taille basse là. Ah ouais. Ah le taille basse. Ah le taille basse c'était quelque chose. Commençons là-dessus. Quid du taille basse, qu'est-ce qu'on fait? Et, tu veux dire, est-ce qu'on le remet au goût du jour? Bah, c'est toi, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est, toi t'as toujours 10 ans d'avance sur tout le monde. Donc je voudrais savoir... Est-ce qu'on on le reprend ou pas? Alors, moi, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de faire du tri de vêtements et j'ai retrouvé un pantalon taille basse. Je l'ai repassé et c'est pas du tout agréable, en fait, d'avoir le bas des reins à l'air comme ça. C'est ça, ça fait des cystites, en fait. Ça fait des cystites, ça fait des rhumes, ça fait des refroidissements, ça fait plein de trucs nuls qu'on n'a pas envie d'avoir du tout. Et puis, je sais pas, le taille haute, là, on est bien tenu, ça fait une plus jolie taille. Ouais, on est quand enserré même. Comme est dans enserré. Les griffes d'un aigle. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, tu sais, on a dit non à des trucs qu'en fait... C'est vrai. Voilà. Ouais, ouais. Mais peut-être que ça va revenir. Hein. Il y a tellement de trucs qui sont revenus ces dernières années. Mais fais pas genre, c'est pas toi qui décide, arrête. Mais c'est pas moi qui décide. Allez. En tout cas, toi, dans ton cœur, tu le sens pas. Non, je le sens pas. D'accord. Pas pour moi. Pour les autres, pourquoi pas, mais pas pour moi, non. T'as changé, frère. Moi, sache que j'ai commandé sur Vinted un jogging Panzeri. Ah, bah ça, j'en ai offert un à ma nièce pour Noël. C'est pas cool, vrai. Les Panzeri. Si, je te jure. C'est trop bien, les Panzeri. Je suis trop contente. Et elle est trop contente aussi. Quelle couleur? Il est noir avec le Panzeri un peu nacré. Ah ouais? Ah ouais. Ça, c'est un dos un peu... Ouais, c'est sérieux, ouais. D'accord. Mm-mm. Ok, donc je t'entends pour les pantalons taille basse, je t'entends pour le pantalon. Je suis très heureuse du coup, parce que je pense que les prix vont exploser dès la diffusion de ce podcast sur Vinted, qu'on salue d'ailleurs au passage. Les gens sur Vinted, dites bonjour quand vous envoyez un message. Vraiment, ça coûte pas plus cher de bien manger. Ah, quid du flunch d'ailleurs? Ah, le flunch. Bah, c'était bien le flunch, moi j'aimais bien quand j'étais petite aller au flunch. Tu prenais haricots ou frites? Bah frites. Ah ouais? Bah oui. Mais t'aimes pas snacker des haricots comme ça quand on snack des frites? Non mais moi je mangeais beaucoup de haricots chez moi. Ah ouais. À la maison c'était très beaucoup de verdure. La campagne, tout ça. Donc quand j'allais chez flunch c'était frites. Est-ce que t'avais un surnom quand t'étais petite? J'avais beaucoup de surnoms, ouais. C'est quoi ton préf? Mon préf c'est ma meilleure amie qui m'appelait Grandes Oreilles. Parce que t'as des grandes oreilles? Parce que maintenant, ça s'est rééquilibré, mais au moment de l'adolescence, tu sais, on a tout qui pousse un petit peu de manière déséquilibrée, du coup. Et donc, je pense qu'il y a eu un moment où j'ai eu le nez et les oreilles qui avaient avancé et puis pas le reste. Ah, c'est ouf, ça! Donc, elle m'appelait grandes oreilles. Toutes tes oreilles et ton nez, ils étaient en jachère de toi-même. Un an sur puis deux. Puis après, pouf, je sais pas, ma tête a dû regrossir. Et puis, nuit, je sais voilà, quoi. Je me suis réveillée, puis tout était remis dans l'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un truc que t'as pas corporellement que t'aimerais bien avoir? Quoi que ce soit? Non, j'ai longtemps été complexée sur la taille de mes seins, parce qu'ils sont petits, et j'aurais bien aimé avoir des gros seins quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, ça va. Et tu vis bien mes petits seins. Tu t'es jamais dit que t'allais refaire? Non. J'ai jamais eu envie de refaire. Après, si, je sais pas. Hein, je dis, peut-être que en fait aujourd'hui je le ferai, mais non, là ça va. Je suis à l'aise avec mes seins. Ok. Je mets pas de soutien-gorge d'ailleurs. Ah ça c'est super ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bien. Oui. Tu sais, n'importe quel éthiopathe te dira, c'est très très mauvais les soutiens-gorge. C'est vrai. Bah, bien sûr, parce que il y a cette comment on appelle ça?
Ça a un nom, voilà, c'est ce que je disais, j'ai pas les mots. Ça a un nom de poisson, une baleine. Ah oui. Les baleines. En ouais. métal. Ouais. Sous le sternum solaire. Ouais. Ça va pas du tout. Ça, non, okay. Vraiment, c'est né. Pardon, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur le chat. On était en train de discuter. On parlait de Drazik avant que ça allume, c'est bien simple. Bienvenue à tout le monde, d'où que vous nous écoutiez. Que vous soyez sur votre kata marrant parce que vous êtes blindé, que vous soyez dans votre camion parce que vous êtes routière, que vous soyez à l'autre bout du monde. Et je vous parle pas de la chanson de... C'était quoi cette chanson d'ailleurs ? À l'autre bout du monde. Je ne sais pas. Mais si, c'est une go, on connaît quelle ? Émilie Loiseau. Exactement. Ah ouais. C'était Émilie. C'est là que migrent les oiseaux. On m'appelle la voix d'ange. T'es consternée. Non. Si, je vois. Mais j'ai entendu le petit. Je vois l'ange. Ouais. On dit qu'il y fait toujours beau. Et moi, je savais. Bon, je suis dégoûtée de pas savoir. On va faire un feat à Stranda. C'est vrai. Et enregistre, Quentin. Enregistre. Elle a dit feat. Elle a dit le mot. T'imagines, ça t'est... Non, je peux pas te demander ça. De quoi? Bah, si ça t'est déjà arrivé de vouloir faire un feat avec quelqu'un, cut, vous êtes en studio et t'es là genre abort the mission. Abort. Non, j'ai fait avant. J'ai dit avant, non, ça va pas être possible. C'est vrai. Ouais. Mais c'était déjà lancé dans le pipe? Non, pas vraiment. Non. Et la personne l'a mal pris ou pas? Un petit peu. Ah ouais. Ok. Je t'en parlerai hors antenne. D'accord. Bah, on est désolé pour cette personne et on espère qu'elle n'est pas en train de te stalker pour savoir. Ah non. Par contre, je pense que maintenant, c'est passé. Et c'est Rita Ora. Bonsoir. Merci d'avoir écouté cette émission. Attendez, je lis un peu. Vous nous gâtez, c'est déjà la meilleure émission, mais vous dites ça à chaque fois. Tu vois, bonsoir d'Allemagne. Oh. Hallo, Deutschland, tu parles allemand ou pas? Ben, j'en ai fait pendant 8 ans, je crois. Ah, t'étais LV1 alors? Ouais, j'étais LV1, mais je suis super nulle. T'étais LV1 allemand en Bretagne? Ouais. Il y avait un projet là. C'était l'Europe, tout ça. Hein. Ouais, il y avait un... Non, mes parents, ils étaient très pro-allemands. Je sais pas pourquoi, ils avaient des copains là-bas. Je pense qu'ils ont vu Schengen. Hein, c'est ça. Ils ont vu Helmut Kohl. Ils étaient pourtant, avec le recul, je crois que j'aurais bien mieux aimé faire espagnol. Bah, devine. Maintenant, je pourrais comprendre toutes les chansons de Rosalia. Ouais, c'est ça. A ningún hombre que siento. Non. Même moi, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est vraiment quand tu fais un rêve que tu vas nu à l'école. Moi, c'est quand je chante, ça me fait ça. C'est vrai. Ouais, j'ai l'impression d'être nu à l'école. Et ça me dérangerait moins d'être nu à l'école. Je peux pas. Mais des fois, je chante bien, je te jure. Mais je suis sûre. Mais je sais pas pourquoi, c'est quand je suis toute seule. Mais c'est quand il y a des gens qui te regardent, en fait, il y a un peu cette coince-là. Donc, tu coinces tes cordes vocales et tu fais ton petit, ce petit grésillement-là. Est-ce que tu peux me raconter, par exemple, un souvenir de quand tu as fait un concert et tu t'es sortie et tu t'es dit « Non, là, j'ai pas... C'était pas... Ça n'a pas... » Ça n'a pas marché. Non, pas convaincue. Parce que des fois j'ai chanté quand j'étais malade, donc évidemment t'as une demi-voix, t'as pas de coffre, tu chantes limite faux parce que voilà, t'as les notes qui se barrent et tout, donc ça c'est très désagréable. Mais en même temps j'ai annulé juste un concert dans ma vie parce que j'étais vraiment à faune. Mais non. Là, j'avais vraiment rien du tout quoi. Mais par contre, sinon, j'y vais toujours, même si c'est un peu... Et est-ce que t'as déjà fait un concert avec une gastro? J'ai fait un concert avec La Turista au Mexique. C'est pas possible! Si. Oh, je veux tout savoir. Ben, c'était super. D'accord. Non, j'étais... Vu que c'était le soir et que j'avais bien eu le temps de me relâcher dans la journée...
pour le dire joliment. Merci, jusqu'à voilà. Tophobe, tu savais pas, mais ça me c'est fait vrai. Pas plaisir. Et donc, le soir, j'ai fait le concert, mais j'avais des énormes crampes. Donc, entre chaque couplet, en gros, je me retournais et je regardais les gars derrière en faisant des grimaces parce que vraiment, j'étais en grande souffrance. Mais voilà, c'était une expérience. Maintenant, je ne mets plus de glaçons dans mon coca quand je vais aux États-Unis, quand je vais au Mexique. Qu'est-ce qu'on a dit ? Bah oui. Je me suis fait hue sur ce, tu vois. Tu te rinces la bouche avec de l'eau minérale, tu fais tout bien, tu manges pas de fruits, tu vois. Puis paf, tu mets deux pauvres glaçons dans ton coca et puis ça fout tout en l'air. Enfin ouais, en plus, quand t'es malade, t'as pas envie de pas être chez toi. C'est ça qui c'est, est, ça. C'est terrible. T'as pas envie de chanter et de te dire qu'il peut y avoir un accident. Et alors là, après, c'est le buzz sur le net, bah, quelle puissance, vraiment. Elle s'est chiée dessus, ça c'est quand même un truc. Déjà, la pauvre Scheim, rien qu'elle tombe. Ouais, et on en parle encore 10 ans après. C'est « Ah, je suis tombée », tu sais, quand il y avait de la neige, là, je voyais des gens sur Insta, ils disaient « Ah, je suis tombée comme Scheim ». Et elle devait être là en train de dire « Mais non, mais laissez-moi vraiment. Non, c'est vrai, c'est pas sympa. Hein. Non. Moi, je suis pro Scheim au max. Moi aussi. Ok. J'ai une question très importante à te poser. Ouais. J'y ai pensé quand j'étais assise dans les escaliers là-bas tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses des randonneurs ? Le film ? Ou alors... Ah bah merci, mais... Déjà, ouais. Mais non, je pensais aux... Les randonneurs. Stricto sensu randonneurs. Alors, j'ai pas spécialement de problèmes avec les gens qui font de la marche. Moi, j'aime bien marcher, mais pas trop longtemps non plus, quand ouais. même. Mais définis pas trop longtemps. Pas trop longtemps, 3 heures, c'est le grand max. Mais c'est énorme. Ah oui, c'est beaucoup déjà. Mais moi, je pensais que t'allais me dire je descends pas au monop, tu vois. Ah non, mais moi, j'habite... remarque, c'est vrai que j'habite dans un endroit où il faut prendre la bagnole pour faire tout, enfin, ou le vélo. Mais non, j'aime bien marcher. J'aime bien marcher, mais il y a un moment où c'est bon, quoi. Bah alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on aime bien marcher ? Parce que moi, je déteste marcher. Genre, vraiment, des fois, je dois descendre, je sais pas, mon chien. J'ai pas de chien, mais admettons, tu vois. Je pense que je le ferais descendre en cordée. Vraiment, même un pas, ça me vénère. Je comprends pas pourquoi on n'a pas... Attends, excuse-moi, il y a du Viagra, d'accord ? Ouais. Et il n'y a pas un système où tu prends... Une pilule pour... Voilà. Tu marches, tu vois, tu marches tout seul. Ouais. Après, ça s'appelle la cocaïne, je crois. Je crois, j'en ai jamais pris, mais je vois bien que les gens, après, ils marchent, ils font des pas gratuitement. Pas de problème pour... Ok, mais non, mais pourquoi ? Non, je sais pas. C'est un peu méditatif de marcher, en fait. Alors, pas pour aller à la boulange, parce que là, tu penses juste à je prends un pain au relou. Un pain choc. Voilà, c'est ça ce que je prends à bouffer. Et puis merde, j'ai oublié de répondre à ce mail ou je sais pas quoi. Non, quand tu pars en rando dans un bel endroit... Déjà, tu te dis que tu vas voir des beaux trucs et puis en plus que tu vas te faire du bien au corps et à la tête. Non, ça peut... Il faudrait essayer dans un bel endroit. Alors, pas forcément un endroit où ça monte. Hein. Moi, j'aime pas trop les côtes, mais j'aime bien le plat. Marcher sur du plat, ça me dérange pas. C'est mignon parce que c'est ton hobby et voilà. Et je t'ai vraiment volé. Je l'ai sali. Ouais. Je m'as sali ma marche. Je t'ai vraiment dit Space Jam. Tu sais qu'il y a la version porno. Ah voilà, ça existe vraiment. Oh bah j'imagine. Nana Space Jam. Moi je fais que chanter. Je chante jamais normalement. C'est ouf. Je crois que je voudrais que tu m'aimes bien. Mais je t'aime bien déjà, hein, t'inquiète pas. Comment tu fais pour que les gens ils t'aiment bien quand tu veux Déjà, est-ce que ça t'arrive ou est-ce que tu t'en fous ? Je m'en fous. Putain, t'es scorpion ? Non, je suis capricorne. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, bon, okay. Personne ne me croit parce qu'elle me dit « Ouais, mais tu dis ça tout le temps. » Non, mais d'accord, ok, ouais. Donc, tu t'en fous. Total. Mais par contre, je suis gentille. Donc... Ben, quand t'es gentil, en fait, les gens, ils sont gentils avec toi. Tu m'as dit ça avec un air un tout petit peu inquiétant, quand même. Je suis gentille, ouais. Pardon. Non, mais je suis sympa. Mais par contre, j'aime pas du tout me forcer. S'il y a quelqu'un que je sens pas, j'y vais pas, quoi.
Donc là, par exemple, tu ne serais pas venue si tu n'avais pas su. Non. Je ne serais pas venue si je n'avais pas su. Si tu t'es pas dit... Oula, attends, je vais, ouais. Je vais concorder mes temps. Ouais. Donnez-moi un fa. Fa. Fa, la, 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 la. Non, faux. Si tu t'es pas, si t'es pas dit, ah, t'as compris là. Non, je veux que si tu m'expliques mieux. Si t'avais pas, putain, sérieux quoi, mon Becherel, amenez-moi un bain, des roses et un Becherel. Si tu t'étais pas dit, ah, c'est chill, tu serais pas venue. Ah oui, non. Non, oui, non, je serais pas venue. Parce que je sais que c'est cool ici. C'est cool, hein, t'as ouais. vu. Hein. Ouais. Donc je me dis, non, j'y vais, je pense que je vais passer un bon moment. Ah bah tiens, d'ailleurs, je t'ai pas donné ton cadeau, parce que chaque invité a une friandise oui. inhérente. J'espère que c'est pas de la réglisse, parce que je déteste la réglisse. Attendez. Hey, abort the mission. Non, ça n'est pas de la réglisse, c'est d'ailleurs, merci de dire une réglisse. T'en as rien de la réglisse. Tu m'écoutes pas, tu me regardes mais derrière. Là, c'est quoi comme les, tu me comme regardes les comme chiens André a entendu qu'il y avait un petit bruit. C'est ça. Des chips. Ce sont des harlequins. Ah oh, waouh. C'est trop de la marque. Bien. Hein. C'est ludique. Ouais, hein. C'est chier. Vous avez de l'argent chez Binge Audio. Il y a une belle prod. C'est merci beaucoup. Avec j'adore plaisir. J'adore les harlequins. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que ça dirait ça me rappelle vraiment mon adolescence et avec ma meilleure amie, on mangeait beaucoup d'harlequins. Celle qui t'appelait oreilles en feuilles ouais, de chou. Ouais, ouais, c'est ça. Tu t'es pas fait recoller les oreilles. Non, 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 elles sont grandes, mais elles sont non, pas bah collées. Non, elles sont normales. Elles sont inhérentes, quoi. Ouais. Il y a plein de gens, moi, que je connais, que j'arrive pas à parler, je te jure. Tu veux pas la faire, la mission? Et moi, je te regarde, je me mets au combo et je rigole. T'es fatiguée, peut-être, un peu. Non, franchement, non. J'ai pas la Covid, je te le jure. Tu sais, il y a ce dose dès que tu tousses. C'est ça. Et que déjà, tu es là, genre, vraiment, on vit très bien avec la Covid de nos jours. Vraiment. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, bah, j'ai oublié. Sérieux. Bon, j'ai fait des émissions, des fois, dans des états. Ouais. Là, je suis fatiguée. Parce que, comme tu le sais, nous n'avons plus 20 ans. Ouais. Donc, toi, je sais pas comment ça se manifeste. Moi. J'ai peut-être un petit dose de thyroïde. Ah, sympathique. Ouais. Donc, c'est pas non plus un lymphome. Oui. Mais bon. Je sais pas ce que c'est, mais je vois bien que c'est plus grave que dose de thyroïde. Et voilà, je suis fatiguée. Ouais, ouais. Je vois bien, ouais. C'est vrai, ça se voit. Non, je disais pas dans ce sens-là. mais oui, non, je vois ce truc de thyroïde. Tu vois, oui. T'es là, t'as pas faim, ouais. t'es mou du cul, ouais, t'es un peu. C'est pas que t'es irascible, mais l'histoire tu la connais, tu vois. T'as envie de dire, mais vraiment. C'est comme un syndrome prémenstruel mais augmenté. Exactement. Ouais. T'as l'impression que les gens c'est des quatre de couve, vraiment. Ouais. Ils te résument leur life. Et t'es là, genre, j'ai pas demandé à le lire en fait, donc. Je m'en fiche. C'est quoi toi ta dose de on a plus 20 ans? T'en as ou pas? Ouais. Ouais, j'en ai, ouais. J'ai quand même vraiment besoin de 8 heures de sommeil, là. C'est que je me couche à minuit ou à 22 heures ou à 6 heures du matin, c'est infernal. Si je dors pas, je peux pas faire des trucs après, quoi. Mais il se passe quoi si tu dors pas? Ben, je me traîne, quoi, vraiment. Je suis pas capable. Mais t'es pas des zags. T'es pas des zags. Ben, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à faire les trucs, j'ai pas envie, j'ai juste envie de manger de la brioche et puis de voilà, c'est tout quoi. Je sais pas, c'est ouais. Donc le sommeil c'est vraiment et puis récupérer de sommeil plus alcool, alors là. Mais c'est faut boire du vin nature. Hein. Mais même avec le vin nature. C'est pas vrai. Parce qu'il y a quand même une qualité. Ah oui, il y a quand même. J'avoue que les lendemains. De vin nature, c'est beaucoup plus appréciable. Sûr. Bah oui, c'est pas le lendemain de Gewürz, là. tu vois, ton cerveau, il est là, genre, il te chante une chanson, comment ça des Guns. Ah oui. Non, c'est Welcome to the Jungle, tu vois. C'est ça, mais dans ta tête, t'es là, laisse-moi tranquille, à tout jamais. D'ailleurs, je suis en train de me dire que peut-être quand on n'a pas de réseau, tu sais, quand on n'a pas de réseau, ouais. Tu connais, tu oui, vis oui, en oui. Bretagne, donc tu vois le délire. Quand on n'a pas de réseau, peut-être, je me dis, c'est parce que le réseau, il n'a pas assez dormi. Peut-être.
Peut-être qu'il a, ouais, ça, pas d'énergie, pas coincé, quoi. J'ai demandé à, je sais plus qui, c'est quoi tes doses de, t'es, on a plus 20 ans, et tu sais ce que la personne m'a répondu? Non, mais s'il te plaît. Qui est la personne qui a élevé ce sagouin qui m'a répondu? Un panari. Ah, c'est dégueu. Pourquoi? Déjà, pourquoi ce, ça s'appelle comme ouais, ça? Oui. Mais tout, hein, même ongle incarné. Hein. Oh, oh, ça, tu ça sais, me dégoûte. C'est incarné par qui? Dans quel théâtre? tu vois? Qui produit? Je ne sais pas. Et vraiment, le mot panari. Ah ouais, panari, c'est hardcore. Ah, mais attends, est-ce que panard, ça vient de panari ou est-ce que panari, ça vient de panard? Ah, je ne sais pas. Déjà, le mot panard, c'est pas possible. Un panard, c'est pas possible. D'ailleurs, non plus. Le mot lupanard, c'est pas possible non plus. ouais, lupanard. C'est quoi un lupanard? C'est un truc. Un lupanard, je crois que c'est un endroit de débauche. Je crois. C'est ça, non? Tu parles comme si on était sur le service public, frérot. C'est un endroit où les vents fadonnent au pupre. Et la luxure. La luxure, surtout les luxures. T'as encore des grands-parents? Non. Ah ouais. Ça fait longtemps ah ouais. que j'ai plus de grands-parents, ouais. Ils te manquent plus, du coup? Si, j'y pense des fois. C'est je vrai? Me dis, ah, j'aimais bien quand mon papy me faisait du chocolat chaud quand j'allais le voir. Ah ouais. Il y a long, mais c'était il y a longtemps. Je ne les ai pas beaucoup connus, mes grands-parents. Ma dernière grand-mère, elle est décédée, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Ah ouais. Mm. Mais par contre, j'aime beaucoup les grands-parents de mon mec. Enfin, il lui reste plus que sa grand-mère maternelle, mais je l'aime beaucoup. J'aime bien aller la voir. C'est comme ma grand-mère maintenant. Elle te fait des doses? Elle est assez bon, elle est en Mayenne, dans un petit village de Mayenne. Attends, Mayenne. La Mayenne. Je cherche le numéro du 53. Département. 53. Ah oui, ouais. J'aurais pas trouvé. non. Et oui, non, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Elle est gentille. Comment elle s'appelle? Marie-Thérèse. Ah bah oui. ouais. Et Capricorne. non, elle n'est pas Capricorne, elle est du mois de juin. Je sais pas. Gémeaux. Début juin, Gémeaux. Oui. Non, Gémeaux. Début juin, c'est Gémeaux. Ah oui. Fin juin, Cancer. Ah non, alors. Ah, je sais pas. Non, peut-être bien Gémeaux. Tu veux quoi, la belle? Oui. Allô? Marie-Thérèse. Elle est déjà en train de dormir, Marie. Là, tu sais. Ah, les vieux, ils ont des horaires de dormir. 20h30. Ça va pas, hein. 20h30. Pour moi, c'est un appel à l'aide, à un moment donné. Hein. Bah, ouais, je sais pas. Ils sont pas tous comme ça, hein. Il y a des vieux qui aiment bien traîner la nuit, hein. Ah bon? Ouais. Non, je crois pas. Non. Écoutez, sur le chat, si vous êtes très très vieux, dites-nous. Genre, quel bled de la Mayenne? Ouais, tu veux racheter la maison à Marité ou quoi? Énormément de fantômes en Mayenne. Beaucoup de fantômes. Pourquoi Dua Lipa? Qui a dit Dua? Pourquoi, à quel moment? Non, moi j'ai dit Rita Ora. Ah ouais. Je pense qu'ils se font des. Ils se font des blagues entre eux. Ils se font des blagues. Bon, on va vous laisser, on va vous. Non, mais restez chez vous. Pas la peine de. Faites un Discord, hein. Allez-y. Hein. Nous, on discute, y a pas de problème. bon, écoute, je vais essayer de randonner pour toi, mais franchement, je vais. Mais ouais, lever franchement, les je pense qu'il faut, il faut. Si tu veux, tu peux venir en Bretagne. Je vais t'emmener faire une randonnée sur le sentier des douaniers. Ah, mais bien sûr, mais je connais très bien le sentier des douaniers. Ouais. Mais attends, mais il est long ou pas? Ah bah oui, ça fait tout le tour de la Bretagne. Ah, c'est pour ça. je savais que j'allais me faire douiller à un moment donné. Mais on fera pas tout. T'inquiète pas, on fera qu'un petit bout. Combien de sandwichs? Ah bah plein. Ah d'accord, ouais. Et puis on peut aller même, à la fin, on peut aller dans une ville et manger sur le bord de la mer et puis manger des bons trucs. Des petits dos. Des petits crabes, des petites huîtres, ouais. Des trucs bons, comme ouais. ça. Ouais, j'aime bien. T'aimes bien les crabes, fruits de mer? Ouais, ouais. Ouais, j'ai vu au début que t'as hésité parce que tu ouais, t'es bah dit allez, ça passe ou ça casse. C'est, ouais, c'est ça. Non, j'adore les. Bah après le crabe, c'est un peu, c'est quelqu'un qui te vend un espace publicitaire sur Internet quand même parce que t'es là genre mec, t'as que de l'intérieur de tes pinces à manger. Donc c'est beaucoup de boulot pour voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Il te parle d'incentive et tout, t'es là genre non mais tu sais pas en fait parce que c'est dommage d'ailleurs. Pourquoi on mange pas le ventre du crabe? Ben je crois que le tourteau par exemple on le mange. Non, c'est dans les arènes, je sais plus la différence, mais ah non, mais le tourteau, mais c'est dégueu là, il faut manger je sais pas quoi. Il y a quoi, un peu du marron, faut enlever un petit peu le marron, faut l'enlever ça. Moi, le marron, c'est des pas gens bon qui le mangent, hein. Dégueulasse. Et ça a une odeur comme quand tu passes sous un pont et que les gens ont cèpe sous le pont.
Bah ça sent ça quand tu manges l'intérieur. Oui, ça sent pas très bon, très bon. Le marron, c'est pas très bon. Mais c'est pas ça qu'il faut retenir dans le crabe. Les grosses pinces et puis les... Il y en a qui mangent les œufs aussi. Les petits œufs. Toi, tu fais pas ça ? Non. Tu manges pas genre le cœur de l'hôte et des machins comme ça ? Non. Par contre, je mange... comment ça s'appelle ? Le foie de morue. C'est bon. Je n'ai jamais compris ce que c'était le foie de morue. Bah, c'est du foie de morue. Ah. Révélation. D'accord. Dans l'huile, là. Voilà. Tu te tartines sur du pain grillé. C'est bon. Mais ça a quoi comme goût ? Attends, je ferme les yeux. Bah, ça a goût de poisson. Déjà, tu m'embrouilles pas, parce que moi, je te pose la question. Un poisson... non, ouais, je sais pas comment décrire le goût du foie de morue, mais... Bah, donc, Etchebest, là... Ouais, je sais, je suis pas... T'imagines dans un resto. Bah voilà, c'est... Ouais, c'est du poisson. Avec un peu d'huile. Voilà. Mais quand on dit « je bois de l'huile », ah oui, bah d'accord, c'est bon. De l'huile de foie de morue. Tout est dans la phrase, en fait. Ouais. On boit l'huile du foie de la morue. Ouais. Qui environne le foie de la morue, c'est pas de l'huile issue. Je pense que c'est quand même de l'huile issue du foie. D'accord. Hein. Bah, tu vois ? À vérifier. C'est ça que je veux te dire, c'est que c'est pas évident. Non, c'est pas si évident. Mais ok, d'accord, bah, je viendrai sur le sentier du douanier Rousseau. Voilà. Et on fera des doses. Non, parce que c'est beau. Et puis en plus, moi, ce que j'aime bien en Bretagne, non, je vais te dire la vérité, parce que je connais très très bien la Bretagne. La Caraïbe française, c'est ma passion. Et ce que je veux dire, c'est que en Bretagne, moi, ce que j'aime, c'est que il y a beaucoup de doses de druides, tout à fait, de rebouteux, nanana. Mm-hmm. Donc moi, s'il y a moyen de rencontrer, ouais, tu vois, tout à fait. Une fois, j'étais sur une île je sais pas. Quelque ouais. part. Ouais. Et on était avec une copine et on disait viens, on va chercher des druides, Et on a touché une pierre, toutes les deux en même temps. Et tu sais, on se dit un peu qu'on a un peu charmed, tu vois. Mm. Et il s'est mis à pleuvoir. Oh. Après, c'est la Bretagne. Ouais, il peut pleuvoir à peu près 15 fois par jour. Et du soleil aussi. C'est ça qui est bien. Ouais, bah, ouais. Ça change tout le temps. Vends-moi la Bretagne un peu. Alors. Non, vends aux gens la Bretagne, parce que moi, je suis convaincue. Je veux pas trop vendre la Bretagne aux gens, parce que je vois bien. Qu'avec le réchauffement climatique, tout le monde sera à boule. Mais allez, les capricornes là, qui ne veulent pas, ouais, donc pas partager mollo, leur dose. Mollo, venez pas trop en Bretagne. Ok. Ouais. Mais par ailleurs, si la Bretagne n'est pas accessible, chers auditeuristes de À bientôt te revoir, vous ne pouvez pas aller en Bretagne. Mais on en parle comme d'un mystère, tu vois, ou voilà, d'un souvenir. D'accord, ok. Comme de l'Atlantide, voilà. Voilà, ok. Ok. Eh bien, c'est un endroit voilà, merveilleux, fait de bruyères et de légendes, et de sable, et de bruines aussi. La bruyère, ça, c'est super, ça. La bruyère, c'est super. La lande, c'est magnifique. Le sable, c'est très beau aussi, le sable. On dirait qu'on est des CM2 et qu'on a fait un poème pour notre mère, quoi. Le climat est très doux et très agréable, le climat tempéré avec des petites brunes qui sont très bonnes pour le teint, qui donnent les petites joues rosées comme ça. C'est vrai que t'as des belles joues rosées. Voilà. Non, j'avoue. Hein. Et la bouffe, qu'est-ce qu'on mange bien en Bretagne? Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on mange en Bretagne? Du farfour, bon ça. Du farfour. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est du far mais qui est cuit au four quoi. Bah c'est toujours cuit au... Je sais pas, moi j'ai toujours entendu farfour. Écoute, ah bon, moi j'allais dans le fin fond du trou du cul du Finistère. Ouais. Vraiment dans la vraie Caraïbe française. Ouais. Hein. Et on disait du farfour. Et comment mais ça s'appelle? C'est vrai quand dans le Finistère vous avez des mots un peu différents. Ouais, après moi j'ai rien à voir là-dedans, je viens des Vosges, hein, donc tu plies la feuille en deux. Ouais. Oui, je connais juste, j'ai une sympathie particulière pour la Bretagne. D'accord, ok. Parce que, bon, c'est trop long et on s'en fout, mais... mais oui. Et comment ça s'appelle, là, le truc, là, le Ténet? Non, c'est pas du tout ce mot, non. Non. Ténet, c'est le film trop long. Attends. Pour faire les crêpes. Frichtig, non. Billig. 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 Billig pour faire les crêpes. Oui, c'est ça. Le petit avec bâton, le petit bâton pour tourner la pâte. T'es comment sur les crêpes, toi? Je suis moyenne. Ah ouais? Ouais, c'est un sacré coup de main. C'est pas comme ça du jour au lendemain que tu tournes tes crêpes.
Et j'ai regardé beaucoup ma voisine le faire quand j'étais petite, mais pour autant, je ne maîtrise pas le geste encore. Mais je n'ai que 38 ans, donc j'ai encore plein d'années devant moi pour apprendre. Tu sais, facteur cheval, il a été reconnu de manière posthume. Hein. Ben voilà. Exactement. Donc peut-être de manière enthume, juste tu vas continuer à te la lerga avec voilà, ton billig, avec ton ténet, putain n'importe quoi. Mais il y a attends, billig, ténet, ouais, c'est juste deux syllabes en fait. Ouais. Excuse-moi, hein, je suis. Non mais c'est pas grave. Tu m'en veux pas. Non, pas du tout. T'es sûre? Ouais, tu pourras quand même venir. C'est vrai? Ouais. Tu vas finir avec un fit en plage cachée. Vraiment, tu vas comprendre. Non mais pardon, on a dealé ça. Je suis venue. Elle est venue, elle est restée un mois. Pff. Mais bon, elle était sympa. Je vais te dire, j'ai besoin de créer. Je vais aller dans une chambre et tout, avec des cahiers, tu sais. Je vais ramener ma plume, mon calame. Mais tu regarderas la baie comme ça, avec la marée qui monte et qui descend toute la journée. Et puis ça t'inspirera. Ah, c'est vrai qu'il y a la marée. Bien sûr. Combien de fois par jour la marée? Bah deux. Bah quoi, bah deux? Bah deux. Bah juste, non, c'est pas évident, je suis désolée. C'est vrai? Les Vosges. Ah oui, bah oui. Moi, je ne connais rien en montagne en même temps. Donc mais pourquoi que deux? Parce que la lune, elle vient qu'une fois. Mais ce n'est pas que la lune. La lune, elle aspire, elle déspire. Donc, tu ne sais pas m'expliquer pourquoi. Non, parce que c'est toutes les 6 heures, donc la marée. Bah pardon, mais il y a quand même plus que 6 fois 2, 12, 12 et 6, 18, 18 et 6, 24, donc ça fait 4 fois. Mais bah oui, mais il y a deux marées hautes, deux marées basses. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ouais. Mais alors attends, putain, je comprends pas comment ça marche, ça m'énerve. Est-ce que c'est parce que la Terre, elle fait sablier et qu'elle tourne? Non, c'est certainement. Non, c'est certainement. C'est parce que les coefficients de marée changent en fonction de la Lune, donc c'est le mouvement de la Lune qui provoque les marées. Mais ça fait pas que... Oui, mais la Lune, elle vient une fois... On la voit... Oui. C'est pour ça que je te dis ça. Oui, d'accord, ok. Mais elle doit avoir quand même une incidence, même si elle est de l'autre côté. Attends, je vais regarder. On va... Excusez-moi, le chat... Oui, j'ai dit elle déspire, bah quoi. On n'a pas le droit d'inventer des mots ici. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit brief, quelqu'un qui est, je sais pas, au hasard, au CNRS ou météorologue ou j'en sais rien, Joël Collado de la météo marine de France Bleu. C'est juste la gravité. Mais c'est ça, tu vois, regarde, exactement ce que je te disais tout à l'heure, il bronche. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit c'est juste la gravité en fait. Donc il pourrait dire c'est la gravité. Gravité. Oui. Mais non, la personne en fait, dit... En fait, si t'es en crise d'adolescence, c'est pas de ma faute. Pookie du 69. Putain, 69, c'est dans le sas, hein, excuse-moi, mais... Les mérologues, je regarde chelou parce qu'en fait, je vais mettre mes lunettes, tout simplement. Alors, Wikipédia dit... Vas-y. La marée est la variation de... Ah, ah, oh. Ah oui, non, c'est bien. Non, c'est bien. La marée est la variation de la hauteur du niveau des mers et des océans causée par la combinaison des forces gravitationnelles dues à la Lune et au Soleil. Et des forces d'inertie dues à la révolution de la Terre autour du centre de masse du couple Terre-Lune et de celui du couple Terre-Soleil, le tout conjugué à la rotation de la Terre sur son axe. Un oiseau avec un chapeau. J'ai arrêté de lire vraiment à force. À la troisième ligne. Ok, donc ça veut dire que la Terre, elle tourne sur elle-même, ça on savait, et elle tourne en même temps autour du Soleil. Donc ça, en fait, c'est un shaker de prot. C'est ça. De la Terre, ouais. Qui fabrique la marée. Mm-mm. À bas la gravité. Yes, on a donc Donald Trump sur le chat. C'est super. Quand la Lune est proche... Ah, c'est super ça. Quand la Lune est proche, la marée est haute. Quand elle est à l'opposé, elle est haute aussi. Ok, donc... Ça marche. Bon. je sais pas. Vous m'expliquerez ça à un autre moment. Je vais aller me renseigner. Je vais le dire avec mes mots. Je demanderai à Patrick Beau. Ah ben oui, bien sûr. Est-ce que tu aimes bien faire les paquets cadeaux? Et sinon, pourquoi? Alors, bof. Je sais pas. J'aime bien mettre customiser mes paquets cadeaux, mais plier les trucs, j'arrive jamais, ça fait toujours un peu moche, quoi. Donc c'est non, pas spécialement. Mais donc ça veut dire que c'est pas toi qui emballes? Non. Ah,
C'est pas moi qui emballe. T'as quelqu'un qui accepte d'emballer ou qui est content d'emballer? Non, parce qu'au final, c'est quand même moi qui vais le faire. Mais pas très bien, quoi. Un peu, voilà. Oui, pas très bien. Mais c'est parce que tu le fais pas très bien qu'après, tu mets des petits doses dessus. Voilà, c'est ça. Comme je fais un peu des pliages de merde, après, je mets plein de petits autocollants ou des petits masking tape ou des petits trucs comme ça, là, pour faire des trucs mignons, pour t'as cacher du, la misère. T'as du masking tape chez toi? Ouais, j'ai du masking tape. Tu sais ce que c'est? Bah oui, je sais ce que c'est. Je suis pas Natacha Campouche, frérot. Du masking... Non, je sais pas. Mais je sais pas, il y a des gens qui savent pas ce que c'est, hein. Bah oui, mais il y a des gens qui savent pas ce que c'est Netflix, tu vois. C'est donc vrai. Bah oui, mais bon, on sait pas comment vivent les gens. Ouais, c'est vrai. Mais tu l'as acheté où, ton masking tape? À la papeterie. Tu vas à la papeterie? Tu vas à la papeterie, j'adore aller à la papeterie. Ah ouais? J'adore acheter des cahiers et puis pas m'en servir. Je dois acheter des crayons. Je dois acheter des petits autocollants, là. Est-ce que t'achètes des ciseaux fantasy? Non, quand même pas. Ouais. Mais on t'a envie. J'ai toujours un peu envie, mais je le fais pas parce que je me dis non, ça va, bon, ça va la trentaine là, bon, on va arrêter les conneries. Je me dis bon, j'ai autre chose à foutre, faut que j'écrive des paroles, faut que j'écrive des trucs, donc j'achète des cahiers. Mais voilà. Après, t'écris sur ton ordi. J'écris sur mon ordi, sur mon téléphone. Ah, tu voudrais nous lire une note de ton téléphone? J'ai pas mon téléphone. Ah, les malines, elle a pas son téléphone. Ouais, les ciseaux vagues, ça j'adore, alors que c'est vraiment la plus grosse arnaque de l'univers, parce que tu sais comment faire des vagues avec des ciseaux? Bah comme ça en fait. Mais oui. En faisant des vagues avec des ciseaux. Ouais. Mais il y a des gens qui te vendent des ciseaux vagues parce qu'ils disent non, il y a des gens, ils ont pas le temps de faire ça avec leurs mains quand ils coupent un truc. Ouais. Et je trouve que vraiment, à la limite, les ciseaux cranteurs. Oui, c'est pas pareil. Vas-y, je veux bien. Oui, parce que ça serait long à faire. Ouais, d'accord, mais déjà, qui crante? Tu vois, si tu crantes, franchement, divorce, parce que à un moment donné, c'est pas grave, tu vois. Ça, je veux dire, le divorce, c'est quelque chose qui se fait. Il y a plein de gens qui s'en sont très bien sortis derrière. Mais crante pas, ma sœur. Mm-mm. C'est comme les meufs qui... Ah ben, ah putain, je m'inquiète pour toi. Pourquoi? Parce que j'allais dire, les meufs qui mettent des petits autocollants dans les cahiers. Ouais. Alors, je mets pas dans les cahiers, hein. C'est juste sur les paquets cadeaux. Mais ça va, t'es sûre? Ah ouais, certaine. Je mets pas d'autocollant dans les cahiers. Tu me dirais ni dans mon agenda. Mais t'as un agenda? Ah ouais, j'ai un agenda. Un agenda papier? Ouais. D'accord. Et je note exactement la même chose que dans mon téléphone. Ça, c'est les Capricornes. Ouais, un petit peu. Mais attends, mais c'est ton anniv alors? C'était dimanche. Ah, mais non, c'est pas vrai. Si. Tout le monde chante joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Encore. Joyeux anniversaire. Plus fort. Joyeux anniversaire. Yeah. Tu sais, avant, les gens scandaient ton nom et tes chansons. Oui. Et grâce à la Covid... Et ils me chantent joyeux anniversaire. J'ai binge dans les bureaux et on me chante joyeux anniversaire. Bah, merci beaucoup. C'est cette année, tu te dis, c'est au mental, les derniers mètres. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que... Non pas que... Enfin, je pense qu'elle vous adore, hein, c'est pas le problème. Mais par ailleurs, voilà, il y a un petit... C'est comme t'as l'habitude d'aller à l'Ibis Budget et d'un coup, on te met au baladin, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, bah t'es... Oui. Tu sais ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire un happening particulier? Est-ce que t'imagines ton premier concert post-confinement? Pas du tout. C'est d'accord, ça marche. Bah, parce que je repousse tellement les trucs là que ben, je n'arrive absolument pas à me projeter de quoi que ce soit. Donc on verra. Et puis on improvisera la veille pour le lendemain et ça se passera très bien. Mais oui, non. Ah, t'es de cette école? Ah oui. Ah, c'est pas vrai. Oui. En tant que Capricorne. Ben oui, bizarrement. Je suis hyper surprise. Ouais, bizarrement, mais je me dis bon ben voilà, c'est pas si grave. Attends, j'ai une question à te poser, mais rien à voir. Ouais. Mais quand même un peu, mais non, pas tellement en fait, en vrai. J'essayais de raccrocher, mais non. Est-ce que je me suis toujours posé cette question? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être sur scène et d'un coup t'as oublié les paroles? Ah grave. C'est pas plein de fois. Non. Si.
Et du coup, tu fais quoi ? En fait, je sais pas, c'est parce que je pense que tu regardes un truc qui se passe et puis tu regardes quelqu'un et voilà, et puis tu perds le fil. Et ben moi, je fais du yaourt quand c'est comme ça. Ben si. Mais du yaourt en français ? Bah ouais. Enfin, je dis un peu des mots, quoi, mais. jusqu'à temps que je me rappelle de là où je suis, quoi. Je n'ai si voilà, pas voilà. lu quand je t'ai. Voilà, mais les sons, mais le son, et mes Mélenchon. Voilà. C'est la si que ne savent, ne t'aperçoit, je crois. Voilà. Bah, c'est ça, je fais ça. Je fais ça, puis je me tourne aussi. Comme ça, je fais genre, je parle aux garçons, je leur fais coucou et tout, puis en fait, je suis là. Puis après, ça revient vite, hein, quand même. Hein. Mais doit être bon. Elle a toujours quelque chose. Soit elle est en train de se chier dessus, soit elle a oublié les paroles, là, je te jure. Elle est nulle. Eh ben, dis donc, la grande, c'est pas un cadeau, hein, je peux te dire. Ah ouais, je suis hallucinée que c'est... Ouais, ouais, ça arrive. Parce que nous, ça nous arrive sur scène parfois, mais on fait genre... Enfin, quand on joue, tu vois. Oui. Oui, tu peux faire une pause et puis oui. dire autre chose. Oui, voilà, tu dis, ah, dis donc, je sais pas si vous avez remarqué, Macron... Oui. COD, enfin tu vois, ouais. tu trouves selon. Ouais. Mais attendez, qui dit quoi ? La voix de cette meuf. Ah ouais, bah ouais. Ouais, c'est, je pense qu'il parle de moi. La 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 la, les gens disent. Faut pas qu'elle aille chez Nagui, il y en a un qui dit. Ah mais oui, lapin. Parce que c'est à cause de N'oubliez pas les paroles. Ah. Tu sais, il a une émission comme ça. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Donc, les gens viennent chanter. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait chanter qu'on se rappellerait pas les paroles ? Elle, tu l'aimes ? Tu sais, tu ouais, te ouais, souviens ? Ouais, 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 ouais. Ben, je m'en rappelle pas des paroles. Alors, attends, c'est quoi ? Elle, tu l'aimes si fort, si fort, au point, je sais que tu pourrais mourir pour elle, elle. Tu l'aimes. Ça fait une arme. En fait, on commence. Ouais. On sait les paroles. Tu l'aimes. Bah après, je sais pas si. Moi, je n'aime toujours que toi. Tu sais, c'est pour ça que j'aurais voulu être chanteuse, juste pour éloigner. Ah oui, faire des vibes comme de... ça. Ouais. Comment elle va, Céline Dion ? Mais je ne sais pas, on pourrait lui demander. On l'appelle ? Tu la connais ? Allô, Céline ? SML 7 ans, tu connais Céline Dion ? Oh, non, je ne connais pas Céline Dion, je ne l'ai jamais vue. Genre, elle t'a jamais texté ou non. un WhatsApp ? Rien. Ou... Même son management ? Rien. Elle abuse, franchement, ça ne ouais. se fait pas. Et je ne l'aime plus. Non, c'est pas sympa. Ah, attendez, qui dit quoi ? Oui, elle devait venir au Vieille Charrue l'été dernier, c'est vrai. C'est pas vrai ? Si. Mais elle a dit qu'elle allait revenir cette année. Mais bon. Bah non, mais elle va aller nulle part. Va-t-on aller au concert cette année ? Bah, mon va-t-on avis, aller au festival ? Cet été, là ? Cet été, au mois de juillet. Ah, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Ça sent pas très, très, très bon. Moi, je suis pas... Je pense pas que... Ouais. Mais bon. Après, peut-être, on sera tous vaccinés, puisqu'il y a 8 personnes qui sont vaccinées par jour. Donc, ça fait 8 en février, 8 en mars. 8 plus 8, bon oui, on devrait y ça arriver. Fait quoi ? Ça fait 16. Après, avril, ça fait encore 8. 16 et 8, ça fait 20... Je suis pas bonne en calcul mental. 4, 24, merci Quentin. 24 et 8, ça, on arrive à mai. 32, super, merci. Merci. Les foufleurs, pardon. Et juin, 32 et 8, bah, ça fait 40, c'est un compte rond. Bah voilà. Donc il y aura 40 personnes qui seront vaccinées. Et toi, est-ce que tu as fait des lives pendant les confinements et les doses ? T'es des petits concerts live et tout ? Non, parce que je ne sais pas faire ça, moi. Mais je fais que des musiques électroniques, donc on ne peut pas prendre une guitare et puis faire « Je veux un chien ». Ça marche pas. Donc après, on a fait un concert pour Arte. Et ça, c'était très bizarre, parce qu'on jouait devant personne. Mais c'était cool quand même parce que là, après les gens pouvaient voir le spectacle. Donc on était contents. On dirait un peu, tu sais, quand tu rêves que tout le monde est mort. Mais c'est vraiment très très étrange hein, de faire un concert, de t'ambiancer, d'être sur scène, de kiffer et tout, et d'avoir rien. C'est particulier. Là j'ai regardé parce que je regardais TF1 à Nouvel An. Ouais.
Et il y avait qui ? Bah Amir. Ah bah oui, évidemment. Non mais Amir, il était sur TF1, sur France 2, sur je sais pas c'est quoi les autres chaînes, mais tu vois. Il y a des clones, il se dédouble. Mais vraiment, il était habillé en blanc, il était habillé en noir, il était habillé en gris, il avait les cheveux longs, il avait les cheveux courts, donc je suis là genre ah, c'était pas du direct, d'accord. Et genre il chantait je sais pas quoi là, toi ma belle andalouse, enfin tu vois, ou un dos, non je sais que c'est Kenji. C'est Kenji ça. Mais bon, t'as compris ouais. Quoi. Et les gens, en fait, ils étaient en distanciation sociale. Il y avait quand même du monde, ouais. Mais c'est comme s'ils étaient dans Westworld. Ouais. Tu vois cette série où les gens, ils les débranchent le soir. Oui, oui. Ça. Et donc ils regardaient Amir et on voyait qu'ils avaient peur d'attraper la Covid. Donc ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas fans. Non, ils n'avaient pas envie. Ouais. Ils y étaient pas quoi. Mm. Les gens nous ont demandé de chanter SOS d'Intérieur en détresse. Hein. C'est quoi ça? Bah, c'est Balavoine. Ah oui, Balavoine. Balavoine, il me fout le cafard. Ouais, puis moi, je la connais pas, les paroles. Si, tu la connais, c'est sûr. Tu l'as fait au karaoké. Tous les cris, les SOS, ah oui. Partout dans le ciel. Sinon, tu fais dire, on n'est qu'une trace. En véhicule 806. Pris dans leur vaisseau de pierre. Et puis, ensuite... On passe au plat principal. Purée saucisse, c'est pour tout le monde. C'est bon, la purée. Ah, j'adore. Oh, tu l'as fait maison ? Oui. Tu cuisines, toi ? Oui. T'aimes bien cuisiner ? J'adore cuisiner. Tu mets de la truffe dans ta purée ? Non. Ça, ça va pas, la tête ? Si, si. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ah, c'est un super dos. Ah ouais ? Ouais, ouais. Je suis désolée, je dis que dos, on devrait faire abus. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? C'est un tic de langage ouais, ouais, total. C'est un abus. C'est un abus, j'ai subi un abus. Je me suis fait vraiment pénétrer par le mot dos. Ouais. Et depuis, il veut pas. Ça fait longtemps ? Ça fait depuis mi-décembre. Ah ouais, quand même. J'en peux plus. Mais moi-même. Hein. J'ai eu titre, tu sais, titre ouais. À titre. Ouais. Voilà, ouais, bon, ouais, titre ouais. Putain. Ça m'est passé, mais ça a mis bien 2 ans à passer. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais 2 ans. Ouais, ouais. Les gens n'en pouvaient plus autour de moi. C'était vraiment. Et un jour, j'ai compris, j'étais avec je sais plus qui, et en fait, j'avais... Ah, mais oui, bien sûr, ouais, je me souviens, ouais, ouais. Je pouvais pas, parce que j'étais avec des gens branchés. Ouais. Et tu vois, tu les connais. Tu pouvais pas dire certains tu trucs. Tu peux pas. Tu peux tu pas te fais dire juger. Ça. Ouais, voilà. Parce qu'ils disent, d'accord, tu sais, quand tu leur expliques. Tu vois ? Je sais que tu sais. Ouais, je sais. Parce qu'on les connaît, ces gens. Parce que... Je crois qu'on là-dessus, on est trop pareil. T'es quel signe toi ? Moi, je suis poisson. Presque après toi. Ouais. Il y a un saut de mouton, capricorne, verseau, et après, c'est nous. Mm-mm. En fait, les gens de la hype, ils veulent trop traîner avec nous. Ouais. Pourquoi ? Bah, tant mieux, écoute, voilà. Mais nous, des fois, pendant 5 minutes, on dit « Ah ouais, moi aussi, j'en suis. » Et après, en fait, non, ouais. Toi, tu rentres à Saint-Brieuc et moi, je me dis « Non, mais je veux juste, tu vois, je m'en fous de mes crocs, c'est pas des vrais, je les achète à gamme vert. Tu vois, c'est pas les crocs à Post Malone, tu vois. » Mais donc, je sais, est-ce que tu sais pourquoi ils veulent traîner avec nous à tout prix comme ça ? Je me la raconte de ouf. Mais c'est toujours comme ça, donc les gens ont l'habitude. Tu sais pourquoi ? Parce je que toi, ça fait longtemps. Parce qu'on est cool sans en avoir l'air, peut-être. Bah. Ah ouais. Non, sans faire d'effort, tu veux dire. C'est ça. Sans essayer. Ouais. Puis on est un peu comme ça, là. Ouais, ouais. Puis toi, tu rentres le soir. Moi, je suis capricorne, donc voilà, je suis un non, peu. J'avoue. Je suis un peu froide comme ça. Ouais, non, mais j'avoue. Ouais, ouais. Toi, je suis sympa, ouais. Au fond. Je vous jure. Mais non, mais en plus, t'es pas du tout froide. Mais je pense que tu peux arriver... tu pourrais arriver avec tes bottes dans tes dans ton jean. Oui. Mes bottes. Ouais, t'as compris. Ouais. Je n'ai jamais su dire ça. Et que les gens diraient... Ah. Ah bah d'accord. Mmh. Tu vois. Mmh. Ils ne diraient pas... Ah, dis donc, celle-ci... elle a ouvert une agence immobilière... tu vois. Ouais, ouais. C'est ce que tu veux dire. À Saint-Paul-de-Vence. Mmh. Tu sais ce que j'ai essayé de relancer dernièrement ? Non. Les French manucures. Ah ! Avec capsule et tout. Ah ouais ? Ouais, ouais. Oh purée, ça a t'as pas fait pris. Ouais, je les ai enlevés, là, j'ai les ongles niqués du coup. Bah oui, évidemment. J'ai les ongles tout mous. Moi, j'avais fait ça une fois, là, des faux ongles. J'ai assez kiffé de les ouais. avoir. Et puis, il y a eu le confinement, premier confinement, et j'ai dû les enlever moi-même. Bah, j'ai pas kiffé.
J'ai trempé mes doigts dans l'acétone comme ça pendant 3 heures, je pense. C'est pas vrai. Si, si. Je trempais, je grattais, je trempais, je grattais, je trempais, je grattais. Je pense que j'ai mis 2h30 à les enlever. Non, mais attends, mais je te dis comme. Mais pourquoi t'as pas regardé sur Pinterest? Mais j'ai regardé sur Pinterest, j'ai regardé les 12 000 tutos de comment enlever ses faux ongles toute seule à la maison. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Bah, c'est comment? Espèce de vieille folle. J'ai bu de l'acétone, je sais pas pourquoi. Puis ça n'a pas marché. Non, mais en fait, il faut que tu prennes une douche. Comme ça, tu te laves en même temps, tu vois. Pratique. Ça fait jamais de mal. Et après, en fait, ce que tu fais, c'est que l'eau chaude, elle développe un microbiote et qui permet de, à ton ongle de respirer. C'est comme s'il faisait... qu'il prenait une grande inspi. Mm-hmm. Et donc, il y a une petite seconde où ton ongle et ta capsule... J'ai vraiment dit plusieurs fois capsule au premier degré ce soir. Il y a un moment où c'est plus attaché. Ah et bon? Donc, c'est là, tu passes en dessous. C'est assez jouissif en plus comme... Et paf, ça part. Ouais. Tu décolles un peu, tu vois. Tu fais comme... T'as déjà marouflé. Oui. Bon, bah voilà, c'est une maroufle. D'accord. Sauf de ton ongle. Ok. Tu sais, quelqu'un m'a dit une fois, je vais faire une maroufle ce soir. J'étais là, genre, une maraude. Il m'a dit, oui, je me trompe toujours. Je dis, non, mais sérieux, ça se fait une pas là. Une maroufle. Je vais faire une maroufle. Ça va. Franchement, c'était cool, hein, mais c'était quelqu'un, c'était un peu une meuf. Genre, qui avait compris hier qu'il fallait faire quelque chose pour les gens qui sont dans le besoin, dans l'extérieur, qui vivent dehors. Je sais pas pourquoi j'ai pas dit SDF tout de suite, parce que il y a un groupe de mots qui existe. Oui. Comme café gourmand, on n'aime pas, mais ça existe, tu vois. C'est ça. Est-ce que je peux avoir ton avis pour terminer cette émission qui est en train de se terminer sur le café gourmand, s'il te plaît? Je suis pas à donf de café gourmand. Merci, putain, on finit là-dessus. Merci beaucoup, Yann, d'être venu nous voir. Putain, je suis trop contente. Enfin, quelqu'un qui est d'accord avec moi sur cette ignominie. Et je mets un Y à la fin de ignominie, putain. De fucking café gourmand, quoi. Laissez-nous tranquille. Allez, on se casse. Merci, tout le monde. Au revoir. Putain.